Dans cette vidéo, on teste le modèle Ingwe Engine Pro de couleur bleue. Actuellement, ce modèle existe en coloris noir ou gris. Le Ingwe est un vélo électrique de type fat bike tout suspendu avec des roues de 20 pouces et la capacité à être plié. Attention, ce petit fat bike est une bombe. Nous nous sommes procuré ce vélo sur le site Ingwe. Il possède maintenant un entrepôt en Europe. Les délais de livraison en France sont très rapides, de 2 à 5 jours après la commande. Nous avons reçu le nôtre en seulement 2 jours dans le sud-est de la France, à Montpellier. Le vélo était parfaitement emballé et protégé. Il est livré avec quelques outils et un manuel de montage. A noter que nous avions également commandé un pack accessoire qui comprend un casque, un cadenas très solide et une sacoche étanche qui fait aussi sac à dos. Vous pouvez voir ces éléments sur l'article de notre blog. Cette vidéo contiendra 3 parties, la description du vélo, notre avis sur le Ingwe Engine Pro et une démonstration du pliage du vélo. On est ici sur un fat bike de petite taille qui est très très puissant. Côté style, on apprécie ce gros cadre central qui donne une vraie impression de solidité à ce vélo. Un des atouts numéro 1 de ce vélo, c'est que c'est un fat bike tout suspension. Vous aurez donc une suspension avant hydraulique et verrouillable, une suspension sous le cadre et une sous la selle. Au niveau du guidon, on retrouve un écran LCD couleur avec le tableau de bord qui permet d'avoir tous les éléments de navigation, la vitesse, la batterie, le kilométrage et d'autres statistiques. Alors que sur la poignée de gauche, on retrouve les manettes dédiées à l'assistance électrique, sur la droite du guidon, on trouve également le boîtier de vitesse manuel, qui est un Shimano Gears à 7 vitesses. Niveau motorisation de Ingwe Engine Pro est vraiment solide. Il possède un moteur 100 balais puissant de 750 watts, pouvant monter en crête jusqu'à 1000 watts. Avec un couple moteur de 55 Nm, ce petit vélo a du peps. Il est équipé d'une batterie de 48 volts et annonce une autonomie allant jusqu'à 120 km en mode assistance électrique. Au niveau pneumatique, ce Ingwe Engine Pro est équipé de petites roues de 20 pouces avec des pneus larges type fat bike de 4 pouces. Ce qui fait qu'il est vraiment à l'aise sur tous les types de terrain. Côté sécurité, le vélo est équipé de feux LED avant et arrière. Niveau freinage, c'est aussi du costaud avec des freins hydrauliques avant et arrière hyper puissants. Nous avons pu tester ce vélo en mode débridé en zone non urbaine. Il est capable de monter jusqu'à 45 km/h et de s'arrêter en seulement quelques mètres avec ses freins hydrauliques super puissants. C'est assez impressionnant. Notre avis sur ce vélo électrique, c'est que c'est vraiment une bombe, un des vélos électriques les plus puissants qu'on ait pu tester. A noter qu'il possède également un mode scooter avec une gâchette à gauche du guidon qui permet d'accélérer sans avoir à pédaler. L'avantage de ce vélo, c'est qu'il est également pliable, ce qui fait qu'il peut être transporté dans le coffre d'une voiture. On pourra voir la démonstration un peu plus loin dans la vidéo. Nous l'avons utilisé principalement sur la route dans la région Montpellier-Rennes. Il est vraiment très confortable, aussi bien au niveau de l'assise que pour la conduite. Avec son guidon un peu surélevé et le fait qu'il soit tout suspension, c'est vraiment un plaisir de faire de la route sur ce vélo. Petit bémol, c'est le poids de ce vélo qui s'élève tout de même à 37,6 kg. Ne comptez donc pas le transporter très longtemps plié à bout de bras. Comme toujours, il est difficile d'allier puissance et légèreté sur ce type de modèle. En tout cas, pour un prix en dessous de 1 300 €, Ingwe montre encore qu'ils sont capables de commercialiser des vélos avec de superbes caractéristiques à des prix plus compétitifs. Pour terminer cette vidéo, nous allons vous faire une démonstration de la rapidité de pliage de ce vélo. Le pliage du Ingwe Engine Pro s'effectue en 3 temps. Il faut d'abord déverrouiller le guidon pour pouvoir le rabattre et le plier le long du cadre du vélo. Ensuite, nous pouvons plier les deux pédales, ce qui est vraiment un plus pour que le vélo prenne encore moins de place en latéralité. Enfin, il suffira de déverrouiller l'accroche centrale située sur le cadre. Il faut trouver ensuite le bon positionnement et bien attraper le vélo pour tout simplement le plier en deux de cette façon. Et c'est terminé, le vélo est plié. Il peut être posé sur le petit support avant en métal qui est là pour ça. Nous avons pu vérifier. Il rentre parfaitement dans le coffre d'une voiture, parfait pour aller faire des balades un peu plus loin.